Hey, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Cryo. Nous allons ouvrir encore plus de paquets aujourd'hui. La dernière vidéo des quatre en quatre parties des ouvertures origine antique. Donc c'est la toute dernière, je pense. Je ne l'achèterai plus, je pense, de ces boosters-là. Parce que malheureusement ça devient assez cher et assez peu trouvable. Donc voilà, c'est la dernière. Donc on va en profiter ensemble, on va se prendre le temps. Et on va essayer d'avoir encore des belles ultras, sachant qu'on est déjà à 7 ultras, dont 3 full art sur l'ouverture de 36 boosters. Quelque chose d'assez énorme. Je crois que c'est le record de la chaîne en fait. C'est le record de la chaîne, on n'a jamais fait mieux pour l'instant. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. On va tout de suite voir si on peut encore aller plus loin, si on peut vraiment aller au bout du bout. Allez, Persian, Magikarp, Pyronie, Mimigal, Golemastoc, Pyroli, Lien Spirituel Junko, Orchid, la ville abandonnée en reverse, et nous avons un Métalos en rare. Ok, donc un petit booster ou pas. Alors il ne me reste plus beaucoup de booster ou pas, je crois même que c'est le dernier. Oui, je crois que c'est bien le dernier, donc avec un peu de chance ou pas sur son final, il va nous donner du rêve. Allez, vends-nous du rêve, mon gars, on compte sur toi. Et on est parti. Porygon, c'est Pietros, Misterbe, Meowth, Apitrini, Todvresseur, Metang, Misty Maniac, Kirlia et nous avons un Rafflesia en rare. Ok, donc pour l'instant que du rare. Allez, on peut encore avoir de l'ultra. On veut finir en beauté cette suite de vidéos. Elle nous a vendu du rêve. On a eu des passer des bons moments à les ouvrir, alors on espère que ça va continuer. Tac tac tac. J'ai toujours l'impression en fait maintenant que les cartes de derrière sont un peu plus foncées, je sais pas pourquoi. Ok, donc Golemastoc, Terral, Balbuto, Sepiatros, Mucuscule, Métang, Bras écologique, Megalos, Terral en reverse et nous avons une secrète. Ok, c'est une secrète. Wow. Là, on a pulvérisé le record de la chaîne. Là, on l'a explosé, ratatiné. Ok, wow. En plus, elle est super belle. Alors, c'est une carte dresseur. Hein, donc, en général, les gens sont un peu moins fans. Mais là, quand même, les bordures dorées du fait qu'elle est secrète, plus l'effet. L'effet un peu comme les cartes full art là, pff, magnifique, magnifique. Là, cette ouverture, elle me comble, je suis tellement heureux, je suis tellement content. Toutes ces cartes magnifiques là qu'on peut enchaîner comme ça. Bah, ce qui est génial, c'est que du coup, bah, je les enchaîne avec vous. Voilà, en plus avec ma chérie qui est à côté, qui regarde tous nos faits et gestes, qui regarde si je fais ça bien. Donc, elle me tape sur les doigts si je le fais pas bien. Voilà, mais ah, c'est génial. J'en reviens toujours pas. Voilà, autant de bonnes cartes sur des boosters complètement aléatoires. C'est complètement dingue. Voilà. Bah, en espérant qu'on va encore en avoir quelques-unes. Allez, Magikarp, Pyronie, Mimigal, Golemastoc, Porygon, Recycleur d'énergie. Je crois qu'on l'avait même pas encore eu celle-là. Mimigalos, Rouleau à peinture. Oh, Pyroli Reverse, donc à nouveau, je crois que je l'avais déjà en reverse. Et derrière, nous avons. Oh, le délire. Je crois qu'on va choper toutes les ultras qui existent dans Origine Antique, c'est complètement dingue. Junko X, franchement, waouh. Waouh. Voilà, une autre pochette. Alors, c'est ma chérie assistante qui me donne des pochettes, c'est génial. Voilà. Ah là là, j'en reviens pas. Cette quantité folle, mais folle, d'ultra rares. Et il nous reste combien? Il nous reste encore 4 boosters. On peut encore en avoir, c'est pas fini. Je veux dire, là, j'en reviens pas. C'est fou. Je veux dire, on aurait acheté un display. Déjà, ça aurait coûté plus cher, hein, parce que ça devient, les displays complets, ça devient introuvable ou extrêmement cher. Et là, mais what the fuck? C'est pas possible quoi, autant de bonnes cartes. Mucuscule, Axolotl, Balbuto, Persian, Magikarp, Niveau Ball, Ténéfix, Lissandre, Forêt de plantes géantes en reverse
Et, oula, et un Pyrax. Alors, est-ce qu'il est en holographie? Non, non, c'est un Pyrax semi-full art en rare, que je n'avais pas encore d'ailleurs, qui est très classe, je trouve. Très très classe. Ok, encore 3 boosters. D'ailleurs, ma chérie à côté, elle doit se dire, ah, oh, mais il reçoit tellement d'ultra rares, c'est normal. Je veux dire, en fait, c'est la première ouverture qu'elle voit, la première suite d'ouverture. Et du coup, elle se dit, ah, oh, mais en fait, il en a tout le temps, c'est pas rare du tout et tout. Bah, en fait, si, c'est super rare, c'est super dur d'en avoir. Et on est super chanceux ce soir. On est super chanceux. Apitri, Sephiatros, Pyronie, Gringolem, Magikarp, Metank, Lien Spirituel Junko, Motisma, Rouleau à Peinture en reverse, et nous avons un Registeel. Registeel, ok. En rare. Il nous reste 2 paquets. Donc un méga tyran nocif et un primo Groudon. D'ailleurs, on n'a toujours pas eu de Primal Kyogre ou Groudon ou Rayquaza. Bon, ce serait parfait de finir là-dessus. Bon, je suis peut-être un peu greedy, mais c'est vrai que ce serait magnifique de finir sur une carte comme ça. C'est surtout qu'elles sont quand même assez dures à avoir. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. On va essayer. Alors, Magikarp, Marest, Mimigal, Axoloto, Mucuscule, Kialia, Ténéfix, Fouet de plante géante, Golemastock en reverse et ouh, il est beau. Un Léviator. Alors je crois qu'on. Ah en fait, non, on l'avait déjà, mais en fait c'était. On avait la version reverse, donc en fait c'était pas l'image qui brillait, mais c'était le contour de la carte. Ok. Bon, alors, du coup on a les 2 versions et en fait elle est vraiment très belle. Très très belle cette carte. Et on finit avec le dernier paquet. Donc c'est le dernier, je pense, qu'on ouvrira sur cette chaîne, sauf éventuel tin box qui en aurait peut-être. Mais voilà, en gros, ce grosse ouverture d'origine antique, c'est le dernier. C'est le tout dernier. Donc j'espère qu'on aura quelque chose de sympa, avec un peu de chance. Mais en tout cas, il nous a vendu du rêve. Ça nous a vendu du gros. Ouh, attendez, j'ai fait quoi là? Ah oui, pardon, j'ai failli faire une connerie, voilà. J'ai failli en mettre une de trop derrière. Bon, ça aurait pas été trop grave. Mais on va pas ruiner le suspense, surtout pour le dernier. Alors, on reprend avec Balbuto, Porygon, Évolue, Niaouss, Reliquante, Kirlia, La Ville Abandonnée, Pyroli, Ortide en reverse, et la dernière chance d'éventuellement peut-être avoir encore une ultra pour encore une fois exploser le record de la chaîne. Et non, c'est un Pyrax en rare. Ok, bah écoutez, c'est pas grave. On a été extrêmement gâtés sur cette suite d'ouverture. D'ailleurs, je vais vous faire un récap de tout ce qu'on a eu. Voilà, donc là, on a eu vraiment une suite de cartes incroyables. Et je vous rappelle que c'est juste 36 boosters, c'est l'équivalent d'un seul display. Un seul, et on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ultra rares. Énorme, je ne vous le dis pas. Je vous fais un petit récap. Junko X, on a eu une des secrets, je crois qu'il y en a deux. Des secrets, donc on a eu récupération d'énergie. Voilà, donc une magnifique secrète. On a eu Faramp X 2 fois. 2 fois, on a eu. Donc il y en aura une qui sera en vente sur mon eBay. On a eu Faramp X Full Art. On a eu Lugia Full Art. Vraiment magnifique celle-là. On a eu Oupa X Full Art également. Un Méga Tyranocif X et un Giratina X. Voilà, donc 9 ultra rares, c'est la folie. Et en plus, juste. Donc, nous, en fait, on a enchaîné les ouvertures. Mais juste avant, en fait, il y avait encore 2 paquets donc, que ma chérie m'a offert avec encore une secrète. Voilà, donc pour moi, ça me fait. En une soirée, ça me fait 10 ultra rares. C'est énorme. Voilà, c'est la plus belle ouverture que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Le record de la chaîne actuelle, 9 ultra rares en 36 boosters. Voilà, je crois qu'on. On va passer un bon moment avant de faire mieux. Je ne pense pas qu'avant au moins 2 ans, on fasse mieux. Mais voilà. Bah écoutez, j'étais très content de faire ces ouvertures en votre compagnie. Il y a avec ma chérie aussi à côté. Voilà.
Et j'espère du coup que vous, ça vous aura tout aussi plu qu'à moi. Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle ouverture de... Ben, ce sera sûrement la prochaine grosse extension Pokémon, il y aura peut-être des choses entre-temps. Mais voilà, donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos ouvertures. N'hésitez pas également à mettre un pouce vert si vous avez kiffé la vidéo. Et n'hésitez pas également à commenter, savoir si vous aussi vous avez eu une chance de cocu. Et je vous dis donc à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!